Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour cette quatrième capsule sur ce défi du mois de septembre avec les activations. Et aujourd'hui, nous allons activer le feu. Donc c'est une activation qui peut être un peu difficile suivant les mémoires que vous avez en lien avec le feu. Donc je vous conseille, mais vraiment vraiment, vraiment, de faire le protocole d'effacement en lien avec cet élément. Parce que suivant les mémoires, par exemple, d'avoir été brûlé ou de brûlure, que vous pouvez avoir ou que vous pouvez véhiculer dans votre transgénérationnel, par exemple, ça peut brûler à l'intérieur, ça peut secouer et ça peut même effrayer. Parce que dans le collectif, déjà, on a peur du feu. Vous savez, attention, le feu, ça brûle. Les sorcières ont été brûlées, il y a eu tellement de pertes et de désastres avec le feu. Mais souvenez-vous que le feu est aussi purificateur, le feu est bénéfique, le feu, c'est ce qui nous donne cette force d'aller de l'avant. Prenons l'exemple d'une voiture. La bougie a besoin de cette petite étincelle hein, au niveau de la batterie, pour pouvoir permettre à la voiture d'avancer. Pour nous, c'est la même chose. Et cette flamme intérieure, c'est le feu. C'est peut-être un élément, c'est peut-être l'élément, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer, je dis bien, c'est peut-être l'élément qui est présent en nous en plus petite quantité. Mais au final, le feu, c'est aussi l'amour. C'est aussi, mais quand je parle de l'amour, c'est pas cet amour conditionnel ou humain. C'est quelque chose de totalement, j'ai envie de dire inconditionnel, mais c'est déjà plus l'amour si je dois parler d'inconditionnel, parce que je dois le nommer. C'est quelque chose qu'on nomme pas, parce que c'est du verbe être et aussi du verbe savoir. Et je vais vous proposer de vivre cette activation. Mais si vous sentez le besoin d'appuyer sur pause et d'aller faire le formule d'effacement, que vous trouvez tout le protocole, si vous ne le connaissez pas, sur l'application, dans la rubrique effacement, et vous simplement vous lisez le document à haute voix et par les petits points, vous mettez le feu. J'efface toutes les croyances, machin, sur le feu. Et ainsi de suite, et ça va permettre un nettoyage. Et vous revenez plus tard vers la vidéo. Ça sert à rien de provoquer, ça sert à rien d'aller, je dirais, faire des tsunamis intérieurs inutiles. Donc, prenez le temps, si vous sentez ce besoin, vous sentez que vous avez peur du feu, ben, appuyez sur pause, faites l'effacement, alchimisez votre peur du feu et revenez faire l'activation plus tard. Alors on est parti pour une activation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va déjà se centrer. Donc quatrième jour, je pense que vous savez comment le faire. Vous prenez contact avec votre respiration intérieure. Il y a même Gizmo qui se relâche quand je dis ça. Et vous fermez les yeux, moi je vais les garder ouverts parce que j'enregistre la vidéo, mais autrement vous fermez les yeux parce que c'est à l'intérieur de vous que ça va se passer et non à l'extérieur. Si le mental tourne, laissez-le tourner en bruit de fond comme votre radio pourrait tourner en bruit de fond. Ne le combattez pas, ne cherchez pas à l'éteindre. Si des émotions apparaissent, vous respirez à l'intérieur d'elles. Si vous avez besoin d'appuyer là aussi sur pause et faire un peu de cohérence cardiaque pour vous aider à vous centrer, à prendre contact avec votre respiration, vous pouvez le faire. Et on va y aller avec l'activation du feu, l'optimisation du feu et la désactivation, je ne sais encore pas de quel élément, de quoi. Ça va me venir au moment où je vous le fais, je verrai ce qui apparaît et je le ferai à ce moment-là en direct. Pensez aussi à prendre un verre d'eau près de vous et éventuellement si vous voulez allumer une bougie pour avoir cette présence du feu et de vous rappeler que cette flamme qui brûle au niveau de la bougie, c'est le même feu qui vous anime intérieurement. J'annule. Alors vous pouvez répéter après moi.
à haute voix. J'annule toutes les stratégies d'auto-sabotage en lien avec cet exercice et cette activation en lien avec le feu. J'accepte l'intégration de l'élément feu sur tous les plans, cosmique, tellurique, galactique, intergalactique, humain, terrestre, intraterrestre, extraterrestre. J'annule mes stratégies de dissociation du feu. Et je demande l'activation de l'élément feu sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Zéro, moins un, moins deux, moins trois, moins quatre, moins cinq, moins six, moins sept, moins huit, moins neuf, moins dix, moins onze, moins douze, moins treize, moins quatorze, moins quinze, moins seize, moins dix-sept, moins dix-huit, moins dix-neuf, moins vingt, moins vingt-et-un, moins vingt-deux. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Et vous respirez, vous laissez le temps de travailler. Vous observez intérieurement ce qui se passe en vous. Et maintenant, on va aller dans l'optimisation du feu. Je demande une optimisation de mon feu. Sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Moi, ça buguait sur différents plans. Zéro, moins un, moins deux, moins trois, moins quatre, moins cinq, moins six, moins sept, moins huit, moins neuf, moins dix, moins onze, moins douze, moins treize, moins quatorze, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Alors, par rapport à la désactivation de fréquence, moi je vais vous proposer ce qui m'apparaît là, de désactiver la fréquence du feu destructeur, du feu dualitaire. Alors, je demande la désactivation du feu destructeur, du feu dualitaire. Et on va passer plan après plan pour aller en douceur. Sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. C'est relié à la colère aussi, le feu, cette colère destructrice. Zéro, moins un, moins deux, moins trois, moins quatre, moins cinq, moins six, moins sept, moins huit, moins neuf, moins dix, moins onze, moins douze, moins treize, moins quatorze, moins quinze, moins seize, moins dix-sept, moins dix-huit, moins dix-neuf, moins vingt, moins vingt-et-un, moins vingt-deux. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Alors, ça travaille sur différentes choses chez moi. Entre autres, ma colère face à la vie. Le feu, c'est la vie, bien sûr, c'est la lumière. Et j'ai découvert des parts de moi, des étages de moi dans mon feuillet. Hein, je vous expliquais dans la première vidéo et je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore regardée. Par rapport à nos différentes structures, où je vois qu'il y a des parts de moi qui sont en colère face à cette vie et que face à la vie. Oh, c'est violent. Et je vais juste laisser corriger gentiment, j'accueille. Donc quand c'est comme ça, je ne fuis pas, je vais dans l'accueil. Là, je vous commente ce qui est en train de se passer pour moi. Je respire, j'observe et vraiment intérieurement, c'est ok, ben, c'est là, j'accueille. Et je pourrais même, si je vois que ça bloque, faire un peu d'alchimisation. Simplement en disant, j'invite cette part de moi qui est en colère face à la vie à se retourner dans l'étoile d'unité. Et je demande pardon à cette part de m'être dissociée d'elle et de ne pas avoir perçu avant cette colère. Parce qu'elle est, vous entendez? Je sais pas, moi je le sens, hein, ou c'est comme s'il y avait un manque d'air, si voilà, c'est je tourne le dos à la vie. Et là j'irai plus loin. Je vois qu'il y a des contrats faits à moi-même, donc je vais effacer. J'efface tous les contrats faits à moi-même en lien avec la vie. En lien avec le feu, que ce soit lié à ma vie, toutes mes vies, chez mes ancêtres. Voilà, il y a des barrières qui sont en train de se lever et les mises à jour peuvent se faire. Alors comment on peut se découvrir comme ça? C'est simplement en prenant l'habitude de fermer les yeux et d'observer ce qui se passe à l'intérieur, de s'observer, de s'écouter. Puis vous verrez que à force de le faire, alors c'est sûr que c'est comme toute chose, ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se. C'est pas en faisant une fois que. Et puis en vous auto-flagellant ou en vous auto-sabotant en disant non, mais je sais pas si c'est mon mental, moi j'entends rien et je vois rien et je ressens rien. Et de vous le répéter ça en vous le matraquant, parce que chaque fois que vous le faites, c'est comme quand on est dans un cours d'écoute animale ou d'écoute des élémentaux, chaque fois que vous avez ces petites phrases assassines, vous vous implantez le programme et vous vous auto-sabotez. Donc déjà, première chose, enlevez tout ça. Et puis faites-le comme un enfant le ferait, dans le sens où vous vivez l'expérience, point barre. C'est tout, vous vivez l'expérience. Et puis, vous verrez que petit à petit, il y a des choses qui vont vous apparaître. Il y a des ressentis suivant les sens, le sens qui vous est le plus utile pour vous. Et ça va se manifester d'une manière ou d'une autre. Et puis, peut-être que si vous ressentez rien dans un premier temps, c'est que vous êtes tellement dissocié, par exemple, du brin d'ADN 5 qui est le ressenti dans le corps, le senti des émotions, ou que ce brin d'ADN est bridé ou implanté, ou que vous avez vécu un abus, par exemple, ou ben, vous allez vous couper, hein, de ces brins d'ADN, ou de fort choc émotionnel, vous allez bloquer par mécanisme de défense et de survie. Et ça veut dire que ça demande de tout remettre en route
et puis de d'accepter de ressentir peut-être des émotions que vous vouliez plus ressentir. Mais c'est clair que ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais à force de d'aller dans cette écoute, ben après, très bien, vous allez pouvoir être dans l'accueil de vous-même et en étant dans l'accueil inconditionnel ou dans l'amour, et on revient à ce que je vous disais en début de capsule par rapport à ce feu, ben ça se dissout naturellement. Et puis après, on peut observer les blocages et lire ce qui se passe dans nos différentes structures. Mais ce n'est pas parce que moi j'ai une lecture précise que vous devez avoir la même. Parce que vous avez tous une fonction, nous avons tous une fonction différente, des paires de lunettes et des filtres différents. Et c'est à travers qui vous êtes que vous allez avoir cette lecture, avec vos propres potentiels, avec votre teinte. Et ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut simplement dire que vous avez votre propre lecture, moi j'ai la mienne. Et c'est toutes ces lectures ensemble qui amènent une richesse aussi et qui vont permettre d'aller dans une libération beaucoup plus pointue et plus profonde et plus vaste. Parce que je vois trop souvent des gens qui disent: Ah, mais moi je vois ça, donc c'est faux. Non, 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 c'est pas que c'est faux. C'est simplement que tu as ta grille de lecture, tu as tes lunettes, tu as ton potentiel, tu as ta fonction sur Terre. Moi, j'ai une facilité à lire les fréquences, à les lire l'ADN, que tout le monde n'a pas. D'autres auront une facilité d'avoir, par exemple, à indiquer les directions, le panneau indicateur. Là, je pensais à ça, simplement à donner les directions, à indiquer les directions que les personnes doivent prendre. C'est pas mon cas. Moi, je ne peux que guider sur mon chemin et d'après mes expériences. Alors, elles sont vastes, mais voilà, on a tous des fonctions différentes. Si je pense à une fonction d'aile, par exemple, ou on pense aux ailes angéliques qui sont très réconfortantes, rassurantes, ben, elle va avoir une autre lecture que moi, je vais voir autre chose. Et tout est juste. Tout est juste. Donc faites-vous confiance et partez de vous et vous verrez, vous allez y arriver. Voilà pour cette activation du feu, cette désactivation du feu destructeur. Je vous souhaite vraiment de faire la paix avec le feu parce que c'est aussi faire la paix avec la vie, on l'a vu, la paix avec soi-même. Demain, on se retrouve pour une nouvelle activation. Une activation, alors on va sortir des éléments, même si le cinquième élément, ce serait l'éther, je vous propose de vous amuser, de le faire pour vous, simplement parce que j'ai dit 10 jours d'activation et on en est déjà à 4. Là, j'aimerais vous faire activer, demain on va parler chakra. Chakra ou comment? Organe du corps. On va voir mon envie du moment où j'enregistre la vidéo. Mais pour l'instant, je vous souhaite une joyeuse journée, de belles découvertes avec le feu et à demain!